Attention, attention, votre attention, s'il vous plaît. Attention, votre attention, s'il vous plaît. Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous ce soir, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est particulièrement content d'être là à Libourne pour plusieurs raisons. D'abord, cela nous permet de rencontrer dans la vraie vie des gens avec qui nous échangeons par internet depuis un petit bout de temps. César et tous les communards de Libourne à qui nous voudrions dédier ce concert pour ces belles énergies, ces 2 mois de mémoire et de lutte nécessaires. Donc merci aux communards de Libourne et des environs qui ont fait résonner et jusqu'à la fin du mois de mai cette belle commune de Paris. La deuxième dédicace, bien sûr, c'est à nos frères et sœurs de la commune de Paris de 1871, ceux qui nous ont montré la voie, ceux qui nous ont montré les rêves qu'il nous faut encore atteindre aujourd'hui et plus que tout aujourd'hui encore, cette voie que nous essayons de suivre tant bien que mal. Donc bien sûr, nous dédions ce concert aux frères et aux sœurs de la commune de Paris de 1871. Et la troisième dédicace, pour commencer ce concert tout en improvisation ce soir, je voudrais rendre hommage à une personne sans qui Opéra sans doute ne serait pas là, et qui m'a montré la voie bien avant que je sache que la commune de Paris existait. Cette personne, c'est mon père, il est là, ce héros, au visage si doux, et je lui dédicace ce concert en le remerciant grandement de son éducation poétique et politique. Donc à nos pères, à nos frères et à nos sœurs. Thank you.
âmes, ici OPA, l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous. Tous les morceaux que vous entendez n'ont jamais été joués et ne le seront sans doute plus jamais. C'est de l'exclusivité mondiale, vous voyez, chansons jetables pour nos mémoires fuyantes. Tout est jetable maintenant. Tout.